Eh bien, salut tout le monde, c'est Top de Craft et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Subnautica. Et donc aujourd'hui, ce sera le dernier. Dans lequel, qu'est-ce que nous allons faire? On va tuer le Léviathan. On va se venger pour tout ce qu'il nous a fait endurer. Cet enfoiré. Voilà. Donc, je voulais pas sortir, c'est pas grave. Donc on va partir, on va aller le voir. Donc on va le tuer au couteau, pourquoi pas après tout. Donc oui, ils ont refait une mise à jour aussi, les designs sont mieux. C'est toujours autant la galère pour sortir d'ici. Oh. Ça, ce qu'on vient d'entendre, je crois que c'était le Léviathan, mais c'est pas grave. Il nous veut pas de mal. Oh, quelques petits frises. Donc le HLM. Hein. C'était n'importe quoi cet épisode quand même. Et on est dans le Cyclops avec notre sous-marin ici. Wow. Oh, c'est trop haut, le bug. What the bug? On va voir si les batteries, elles sont bien. 100%, 100%, 27%. Vache. Ouais. Il y a quoi ici? What? C'est quoi ça? Ça sert à rien. C'est pas grave. Bon, on va fermer les portes. Histoire d'être un peu plus en sécurité. Hop. Et on est parti. Dans notre HLM. Comment on sort? Ah, c'est eux pour sortir. Oh. Non, parce que pour vous dire, cet épisode, je l'ai déjà tourné, mais j'ai eu des problèmes. Par exemple, j'étais comme ça, il y avait il y avait des brèches dans la coque et je savais pas comment sortir du sous-marin. C'est la galère. Moi, je vous dis, c'est n'importe quoi ce sous-marin. Il est beaucoup trop grand. C'est normal. C'est n'importe quoi quand même ce sous-marin. Obligé de détruire une partie de la map pour le laisser passer, quoi. Tac, tac. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Je crois que j'aurais dû passer par les grandes falaises qui sont
à droite là, mais j'arrive pas à y passer en fait. Ah voilà. On est presque sorti, hein. C'est bien un des gros inconvénients de ce sous-marin, c'est qu'il est trop gros. D'accord, c'est quelque chose de l'avoir parce que c'est compliqué, il est gros. Mais le poisson, il a tellement pris cher. Voilà, on a mangé un petit peu. Et donc aujourd'hui, on va le tuer. En fait, à chaque fois qu'on entend les petits blops, ça veut dire qu'on a touché un poisson. C'est marrant. Et si on réussissait pas, bah, je pense qu'on va pas réussir à le tuer, mais bon. Ce dernier épisode est juste là pour le what the fuck. Et voilà, bon. Pour tout vous dire, moi j'ai un peu peur parce que son graphique et enfin sa texture est vraiment très effrayante. En plus, il vous attrape, il vous one shot quoi, la bestiole. Donc ouais, ça fait vraiment peur. Ça, c'est pour effrayer le Léviathan, le klaxon. Oh, cool. Je suis jamais allé aussi près du Léviathan. Enfin, pas en survie en tout cas. Puis vous inquiétez pas, si je meurs, je vais pas sauvegarder, hein. Je vais vraiment. Faut que j'arrête de rentrer dans les poissons, moi. C'est n'importe quoi. Ouais. Après, mon but sur cette série, ça aura été de vous faire découvrir le jeu et pas de le faire à 100%. De vous faire découvrir ce jeu qui, franchement, m'a fait plaisir. Ça fait du bien de changer, mais après, ça plaît pas à tout le monde ce type de jeu. Ça plaît pas à tout le monde. C'est pas très connu. Mais c'est super bien fait. Et c'est pour ça que j'ai envie que ce jeu devienne de plus en plus connu. Donc généralement le Léviathan se cache dans les profondeurs là, mais dans les profondeurs aussi la coque elle se casse facilement et ça fait des brèches. C'est pas très cool ça. La nuit approche. Oh, j'ai calé. Je m'en sortais plus avec tous les doigts que je devais utiliser sur le clavier. Oh, ça sent le Léviathan, tout ça. Oh, ça m'a fait flipper ça, par contre. Suis sadique quand même. Ça, c'est encore un Léviathan. Ouais, mais hein. Oh. Oh. Pas prévu ça. Allez, on continue, même si j'ai assez peur quand même. J'ai pas envie de descendre trop profond, sinon, voilà. Toute collision endommagera la coque, donc on va juste remonter à 80.
Là, pour tout vous dire, je sais pas où on est. Je vais remonter. Oh. Hé. Oh. Je sors pas, moi. Le problème, c'est que là, il fait jour. Donc, je vais me permettre un truc, les gens. Voilà. Parce que sinon, vous y voyez rien. D'ailleurs, là, on n'y voit pas grand-chose non plus, mais... Ouais, on n'avançait pas du tout du bon côté, déjà. Et là, on est où? En plus, je crois que normalement, il y a un truc à voir à l'arrière, hein. Je veux trouver le Léviathan. On sent qu'on se rapproche, c'est ça le pire. C'est qu'on l'entend. Ces cris sont de plus en plus fréquents. J'ai cru qu'il y avait un Léviathan. Oh. Je sens qu'on est sur son territoire, mais... J'ai peur. Oh. J'ai peur. Parce que je sais qu'il aime... Oh. Bien se cacher par là. Oh. C'est quoi encore ces tremblements là à nouveau? On attendrait un Léviathan, s'il vous plaît. D'accord. Je vois. L'extraction d'un champ de débris prolongé. Hein? Cool. Je veux tuer cette bête. Ou au moins la voir, quoi, parce que je l'ai vue 500 fois quand j'en avais pas du tout envie. Mais là, quand j'ai envie de la voir, elle est plus là. Plus les batteries, elles sont presque capoutes là. Oh. Je crois qu'on verrait mieux dans notre petit vaisseau. Hein. On va le laisser là. Et on va... s'attaquer au monstre. Ok, donc c'était vraiment un champ de débris en fait, hein. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Déjà peur de laisser notre sous-marin. Aïe. Oh. C'est nouveau ça.
Oui. Donc maintenant, on voudrait un Léviathan tout cru, s'il vous plaît. Ah, j'arrive ici. Ah, d'accord. Je crois pas qu'on puisse y aller ici. Bon, on va aller par là, ce sera une bonne idée par là. Sans tous ces débris là, on aura plus de chances de trouver ce qu'on cherche. Hop. Toute collision endommagera la coque, sachant qu'on voit rien. C'est peut-être pas bon de rester là, mais bon. C'est soit lui, soit nous, donc. Je pense que ça va plutôt être nous, mais bon. La coque risque de subir des dégâts. Oh. La coque, elle prend cher là. Je sais que c'est super dangereux, sachant que le Léviathan, il pourrait venir jusque devant nous, mais bon. Attendez les amis, je vais juste faire une ellipse. Allez, à toutes. Donc revoilà, je crois que je viens de le trouver. Eh oui, c'est lui. Il était juste à côté en fait, c'est ça le pire. Oh, ils sont deux. Oh, ils sont deux. Je suis mort. Oh, je suis mort. D'où? Non, non. Ça va plus résister longtemps. Ah, non. Évacue le navire. Évacuer, 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 évacuer le navire, évacuer le navire. Oh mon. Non. 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 Et il se battut en vain. Aurait-il fait tout cela pour rien? Je ne le pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de Subnautica.